Hello, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer en fait tout ce que je fais pendant mes vacances en croisière. Donc je vais vous emmener une journée avec moi. Faut savoir que là je suis toute la journée en mer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'escale parce que je pars d'Italie en direction d'Espagne parce que j'allais à Valence. Du coup voilà, donc là on va se préparer. Ensuite je vais faire mon petit déj, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Bon alors du coup je vais me mettre un tapis en dessous parce qu'à chaque fois je ne fais que mouiller parce que je mouille le sol parce que j'asperge mes cheveux d'eau. Du coup je vais préparer mes cheveux. Donc là ils sont un peu c'est en fait mes cheveux de la veille. C'est que comme je les ai attachés, ils sont pas ouf. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas ouf du tout. Ah, attendez. Imaginez je les mets comme ça, non? Genre en vrai. Moi je vais les laisser comme ça parce que d'habitude c'est pire, mais là ça va. Juste j'ai des frisottiers, alors je vais mouiller le dessus pour éviter les frisottiers. Du coup je vais utiliser ça, c'est mon petit spray. Et on va faire comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit, j'en mets partout. Et du coup après je vais faire ça. Et je vais venir essayer de plaquer un petit peu avec ma brosse. Mais en vrai ça va mes cheveux, c'est pas la cata cata cata. Du coup je suis assez contente, même si bon... Je pense que je les referai dans la journée, mais là c'est juste pour aller prendre le petit déj. Donc il faut que je fasse vite parce que j'ai faim. Du coup voilà, il y a déjà tout le monde qui m'attend. Enfin tout le monde. Alors ils sont déjà en train de faire le petit déj. En tout cas ma famille. Du coup voilà, bah, je crois que je vais laisser comme ça. C'est pas ouf, mais voilà. Du coup on va passer au make-up parce que là, peut-être du matin, ça va pas du tout. Alors j'ai amené mon petit make-up comme d'habitude. Du coup voilà. Donc tout mon make-up se trouve dans cette trousse. Là c'est vraiment mon make-up du quotidien, vraiment basique, il n'y a pas plus simple que ça. Du coup je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, même si je vous l'ai déjà montré. D'abord il y a le mascara comme ça, c'est le Sky High de Maybelline. Je vais le mettre, là je vais le mettre sur mes cils comme ça. Bon là j'ai pas de miroir donc je peux pas regarder en bas, mais le principe c'est ça, c'est vraiment de mettre comme ça. Bref, je vais mettre et je vous montre. Du coup voici ce que ça donne. Ensuite je vais venir plaquer mes sourcils et les brosser en même temps. Du coup j'utilise cette cire à sourcils qui vient de la marque Shiglam. Donc du coup je vais en prendre un petit peu avec cet embout, ce pinceau. Et je vais venir les brosser vers le haut et ensuite je vais tracer une ligne. Voilà. Ça je le fais vraiment tout le temps, ça change pas du tout. Parce que je trouve que ça fait net en fait. Du coup j'aime trop. Genre quand ils sont pas coiffés j'aime pas, du coup voilà. En général ils se décoiffent pas trop dans la journée, quand ils se décoiffent je les recoiffe. Du coup voilà pour la cire. Après on va s'occuper du coin de l'œil pour illuminer le regard. Je vais mettre ça, ce sont des paillettes, je cherche le pinceau, voilà. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau fin comme ça. Alors d'habitude j'en mets 3 tonnes mais là je vais vraiment pas en mettre beaucoup beaucoup. Juste en fait pour que ça se voit un petit peu quand même. Je sais pas pourquoi mon pinceau il est mouillé, ça me stresse. Il est pas mouillé mais il est humide en fait. Ouais, je sais pas si vous voyez mais du coup j'en mets vraiment tout petit peu comme ça. Voilà, hop. J'en mets encore un peu là. Voilà, et hop là, regardez, ça illumine direct le regard. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Pour terminer, je viens appliquer du blush. Donc le mien c'est toujours le même. C'est le blush de chez MAC. Et la teinte c'est Melba. Donc du coup je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais l'appliquer. Donc j'en mets beaucoup, mais pas beaucoup. En fait pendant les vacances j'ai attrapé un petit coup de soleil. Du coup j'ai déjà l'impression que j'ai du blush. Mais je vais quand même en mettre parce que là il est un peu parti. Du coup voilà. Je sais pas si vous voyez la différence hein, mais vraiment c'est moi je vois trop dans le miroir. Du coup voilà pour le blush. Donc maintenant nous allons passer à la dernière étape, c'est-à-dire mettre les petits bijoux. Après aussi il faudra que je mette une chaussure, mais sinon on pourra y aller pour le petit déj. Alors pour les bijoux je mets toujours lui en collier parce que je l'aime trop. Et je mets toujours cette bague, donc on ne va pas changer, c'est le classique. Voilà, du coup attendez, hop, je vais mettre les bijoux et je vous montre ça. Et donc voici ce que ça donne donc avec le collier et la bague. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la suite au final. Avec les cheveux et tout, et puis ensuite, go la cafétéria. Donc du coup, pour les chaussures, je vais mettre mes petites dents.
là, je suis tout saturée. Parce que oui, c'est là où il y a la cassette, mais du coup, mon jardin. Voilà. Je vais regarder. En fait, là, il y a des numéros. Là, il y a écrit 13, 5. Peut-être il y a 13 aussi. C'est bon, là. C'est le menu du restaurant parce qu'en fait chaque jour il y a un nouveau menu. Et puis là je vais voir et je vais vous montrer. En fait il n'y a pas encore de menu. Du coup voilà. Et je vais attendre. Pour l'instant il n'y a pas. Donc on verra un peu plus tard dans la journée. Mais je vous montrerai ça. On a fait des petites activités et tout. Et là, en fait, on va aller à la cafette parce que je vais prendre un truc à manger. Voilà. Là, en fait, je vais retourner là où je suis parce qu'en fait, au Tiger, c'est une salle, il va y avoir le bingo. Du coup, voilà. C'est un jeu où tu as des cartons et c'est le principe du chirurgien qu'on voit, c'est le bingo quoi. Je pense qu'on va prendre de lasagne, mais après on verra. Du coup, voilà, là je vais retourner à la cabine. Bon, c'est toujours pas comme ça, c'est après, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Genre, il y a le cinéma, le building, la piscine, du coup, je sais pas. Donc, écoutez, je vous dis ça dès que je sais. Parce qu'on mange pas longtemps. On mange à 19h45, il est 19h20 et quelques. Du coup, voilà. Salut! Alors là, on est au resto. Du coup, voilà, je vais vous montrer ce que je prends. Thank you.
On va faire la collation de nuit. Oui, je sais pas s'il y aura ce que j'ai appris le premier jour. Le premier jour, j'ai appris du thon avec un petit pain. Je m'étais fait un sandwich avec une jambon qui était trop bon. Voilà, j'ai fait un petit plaquage. Trop drôle. Ouais. Plaquage. Moi, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je prends, chocolat chaud? Soit je mange quelque chose, parce que le chocolat chaud, ça va me caler pour la nuit. Mais est-ce que je le digérerai? Je sais pas. Après, il y a du lait dedans. Oui. Mais dedans, il y a du lait. On va voir. Si tu regardes, s'il y a rien que t'aimes au truc ou que t'as vraiment envie de. Et au pire des cas, chocolat chaud demain matin, comme ça me calme.